Hey hey tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous accueillir dans mon petit chez moi puisqu'aujourd'hui on va parler skincare mais plus précisément les taches. Celles et ceux qui me suivent depuis plus ou moins longtemps, vous savez que ma peau est passée un petit peu par toutes les phases. J'ai fait partie des rares chanceuses qui se sont coltinées une peau de bébé durant toute l'adolescence, pas d'acné, bref pas de problème de peau, rien du tout. Et arrivée à l'âge adulte, acné hormonal, bim bam boum, ça y est, ça m'a frappé, c'était pas drôle, ça a duré plusieurs années, j'ai trouvé un certain équilibre, après il a fallu dealer avec les cicatrices d'acné, les taches, tout ça, tout ça. Donc je me suis débarrassée de l'acné, mais il arrive encore, puisque je reste une femme, qu'il y a plein de facteurs qui entrent en jeu, le stress, la santé, l'alimentation, l'hydratation, les problèmes hormonaux, bref, il y a plein de choses qui influencent et qui font que parfois, ta peau, elle te joue quelques petits tours et tu as des petits copains un petit peu partout sur toute la face. Et quand ça m'arrive, je fais partie de celles et ceux qui galèrent, mais mon dieu, qu'est-ce que je galère, je m'en fous les cheveux dans la bouche. Non, vraiment, une galère sans nom de m'en débarrasser à chaque fois que j'ai un bouton le plus petit qu'il soit, je vous jure, ma peau va marquer de suite et je vais mettre pas des semaines, donc quasiment des mois avant de m'en débarrasser complètement. Donc c'est vraiment moi ma problématique de peau numéro 1. Je suis continuellement à la recherche du produit magique, donc c'est ce dont on va discuter aujourd'hui. Je vais vous parler de tous les produits et croyez-moi, ils sont nombreux à avoir fonctionné. Et il y en a pour toutes les bourses également puisque ça commence à plus ou moins 8€ et ça monte après graduellement. Donc sans plus tarder, on commence, c'est parti. Il n'y a aucun ordre de préférence dans les produits que je vais vous montrer, c'est vraiment le premier qui me vient à l'esprit. Je vais commencer avec, je pense, un des produits sur lesquels j'ai reçu le plus de questions dernièrement. Je vous l'ai montré en utilisation. Ma vidéo de samedi, je vous la mettrai en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu. Je vous dis vraiment comment j'utilise, mais je vais y revenir un tout petit peu plus dans cette vidéo puisque c'est aussi ce qui m'a aidé. En tout cas, ces derniers mois, il s'agit du Derma Roller. C'est un produit dont j'entendais parler depuis des années, j'étais hyper réfractaire à l'idée de l'utiliser. Tout simplement parce que je me suis dit, ça va peut-être me faire plus de mal que de bien. Mais bon, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et comme je disais, moi j'aime me faire mon propre avis, c'est hyper important. C'est pas parce que ça fonctionne pas sur certaines personnes que ça va être le cas sur moi et vice versa. Ça va dans les deux sens pour cette vidéo aussi. C'est un petit outil en plastique tout simplement avec une espèce de petite roulette dans laquelle il y a une multitude de petites aiguilles. Donc on choisit le diamètre. Il y en a plusieurs. Moi j'ai choisi 0,5. C'est un outil que l'on passe sur l'ensemble du visage. Et je sais, aiguille, je sais. Moi aussi je pensais à la même chose. J'étais là, non, jamais. Bah si. On en est là après plusieurs mois d'utilisation. C'est un produit sur lequel j'ai vu gros résultat après, je dirais, allez, 3 semaines en mois, sachant que je l'utilise allez, à peu près tous les 10 jours. C'est pas un produit que j'ai l'intention d'utiliser indéfiniment, mais plutôt en cure quand je vois que ma peau en a besoin. Et là, pour l'heure, c'était vraiment les taches sur lesquelles je voulais me focaliser. Et je vous dis, je vois une vraie différence. Donc, je vous le redis, le Derma Roller, en fait, il va servir à exercer des petites pressions cutanées. Les petites aiguilles vont créer une micro-perforation dans le derme de la peau, tout simplement. Il va faciliter et accélérer le renouvellement cutané. En gros, c'est un process de cicatrisation qui va beaucoup plus vite. Ça ne fait absolument pas mal, vous inquiétez pas. C'est juste un petit peu désagréable, par exemple, sur le front, puisque la peau est excessivement fine, donc c'est normal. Je vais pas rentrer dans tous les détails de comment j'utilise encore une fois. Allez voir la vidéo, je vous mets quelques rushs tout le long de la vidéo pour que vous voyez un petit peu. Mais on alterne tout d'abord de bas en haut et ensuite on va en diagonale dans les deux sens. Moi je passe à chaque fois 5 fois sur la même zone. Vous pouvez aller jusqu'à 10 fois si vous le souhaitez, mais pas plus. Autre chose que j'ai pas précisé, j'aurais dû commencer par là, je m'en excuse. Si vous êtes intéressé de près au Derma Roller, je vous conseille vraiment de faire vos recherches, voir exactement comment on l'utilise. Une vidéo dédiée aujourd'hui, donc je vais pas y passer une heure, mais c'est super important de vous le préciser parce que c'est pas un produit qui est anodin à l'utilisation. Il faut travailler sur peau excessivement propre. Quand je dis propre, c'est extra propre. Vous nettoyez bien votre peau, vous passez un petit coton de lotion juste avant d'utiliser pour vous assurer de ne pas avoir la moindre poussière ou quoi que ce soit, puisqu'on peut en avoir, ne serait-ce que quand on se sèche avec la serviette, etc. Il y en a toujours en fait. Dites-vous que quand vous allez passer le Derma Roller, c'est quand même des petites aiguilles qui pénètrent dans la peau, donc on veut vraiment travailler sur une peau très propre. Et qui dit peau propre dit aussi Derma Roller extra clean. C'est pour ça qu'il faut vraiment le désinfecter, nettoyez-le, désinfectez-le avec de l'alcool, avec du désinfectant avant utilisation, après utilisation. Vraiment c'est super super important. Faites bien vos recherches, c'est vraiment pas un produit à utiliser en toutes circonstances et pour tout le monde non plus. Moi j'ai une peau sensible mais pas non plus extra sensible, qui est assez réactive et j'ai pas fait la moindre réaction ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à faire un test avant. Comme pour tout, le Derma Roller ça fait toujours parfois grincer des dents. Je sais qu'il y a des personnes qui sont hyper réfractaires, qui ne veulent pas en entendre parler, qui disent c'est dangereux. Comme pour tout, encore une fois, il y a des personnes qui ont de très bonnes expériences et de vrais résultats et d'autres un peu moins.
on y croit pas, mais je crois que c'est hyper important de laisser tout le monde se faire son propre avis. Le dermaroller c'est très bien, mais les produits que vous allez utiliser par la suite, c'est hyper important aussi de bien les choisir. Donc moi je vous conseille d'utiliser un bon sérum tout simplement. Alors moi avec le dermaroller j'utilise exclusivement celui-ci. Ça veut pas dire que si vous en utilisez un autre vous allez pas avoir les mêmes résultats ou de bons résultats, pas du tout, c'est juste que celui-ci, Huda Beauty qui en avait parlé comme je disais avec le dermaroller, et en fait elle expliquait que ce sérum contient une molécule qui est utilisée dans les laboratoires pour créer, pour synthétiser de la peau sur lesquels on teste tous les produits de soins qu'on utilise après chez nous. Donc c'est un sérum qui est hyper concentré et qui va cicatriser véritablement la peau. Il coûte un bras, c'est pour ça que je le mentionne, parce que je suis obligée et que franchement j'ai vu de vrais résultats. Si vous avez budget, vous voulez tester, j'en suis hyper contente. Et c'est un produit que je pourrais racheter malgré son prix. Mais encore une fois, ne vous sentez pas obligé de le prendre. Vous pouvez avoir un effet graduel avec un autre sérum. Par exemple, moi, un autre que je voulais vous présenter à tout prix, pour le coup, qui est le moins cher de la vidéo, c'est The Ordinary, c'est le Alpha Herbutin 2% plus HA. Et c'est un sérum, donc vous voyez, je commence presque à le terminer, j'en suis vraiment aux trois quarts. Je l'aime beaucoup celui-ci. C'est un sérum qui est exclusivement dédié à retrouver un teint homogène et clair et qui va vraiment vous débarrasser et estomper les petites taches d'acné. Pour le coup, il coûte, je crois, 8€, donc franchement, c'est pas une ruine. Même si vous loupez, mieux vaut se louper sur celui-ci que sur celui-ci. Vous me comprenez? Vous pouvez l'utiliser tous les soirs, tous les matins, c'est comme vous souhaitez. Moi j'avoue que là je suis plutôt passée à tous les matins, même si avant j'utilisais le soir, parce que le soir j'utilise autre chose, vous allez voir après. Et il y a un autre sérum que je voulais mentionner mais que j'ai pas là dans les mains parce que j'ai terminé. J'ai utilisé il y a très longtemps, pendant plusieurs années même, donc alternative de parapharmacie aussi, qui est hyper efficace. De toute façon ils ont des produits incroyables pour diminuer progressivement les taches, les marques, les rougeurs et avoir un glow à la peau parce qu'il est extrêmement lumineux. Je vous dis, c'est un sérum que j'ai utilisé il y a des années et je m'en rappelle encore. Donc pour que je mentionne encore, ça fait aussi partie des meilleurs produits que j'ai pu tester, sur lesquels j'ai vu une vraie efficacité, donc n'hésitez pas à checker non plus. Là on va rentrer dans les produits qui sont exclusivement dédiés à estomper les taches, et vous allez voir ces trois marques actions différentes. Donc le premier que j'aime beaucoup et je voulais à tout prix vous en parler, bah j'ai vraiment appris à l'utiliser de la bonne façon, c'est la lotion Olenriksen. C'est mon deuxième tube. J'avais terminé un premier flacon, pas tube, et la première fois que j'avais utilisé, j'avais vraiment pas vu le moindre effet, pourtant j'utilisais même je crois la routine Olenriksen. Donc vous voyez, franchement ça veut rien dire. Bref, j'ai fini mon flacon et cette année j'ai reçu dans un avoir-presse un autre flacon, qui est celui-ci. Donc je me suis dit ok, bon tu vas lui donner une autre chance, on sait jamais. Et là, magie. Bon, pas magie non plus, mais quand même, comme quoi la façon dont vous utilisez un produit peut vraiment varier sur les résultats. Donc j'utilise toujours avant le sérum, toujours sur un coton, mais de deux façons. Donc soit j'imbibe bien, je le passe sur l'ensemble du visage, et surtout en fait, je presse mon coton sur les taches pendant, allez, plus ou moins une minute, pas plus, honnêtement. J'attends que ça sèche, je passe à mon sérum, ou alors si vous voulez pas rester, attendre et tout, et qui je trouve fonctionne très bien aussi, c'est d'en mettre un tout petit peu sur le bout des doigts, lavez-vous bien les mains bien sûr, coronavirus de toute façon. Vous tapotez, pareil, sur les petites taches, comme ceci, et en fait, je sais pas si c'est psychologique ou pas, je vous jure, limite le lendemain, on voit une différence, et c'est assez bluffant. Je vous dis pas que ça va disparaître du jour au lendemain, mais par exemple si comme moi vous avez des marques qui sont très visibles à certains endroits, franchement vous allez voir une différence assez rapidement. Donc clairement pas négligeable du tout. Donc ça est utilisé uniquement le soir, je l'ai pas précisé, mais pratiquement tous les produits. Dites-vous si vous utilisez un produit anti-tache. Bien souvent il y a quand même une forte teneur en AHA. Donc c'est génial, parce que ça fonctionne, mais à côté de ça, ça va augmenter la sensibilité de votre peau au soleil, qu'il fasse soleil ou pas de toute façon. Donc c'est hyper, je dirais jamais assez, hyper important d'utiliser une protection solaire. C'est génial d'utiliser tous les produits du monde pour aider à corriger tout ça, mais si à côté de ça, bah vous sortez et vous protégez pas, ça va revenir 10 fois pire qu'avant, vous allez avoir tellement de mal, et pour toutes les autres raisons que je pourrais énoncer à l'idée de se protéger, bref, c'est hyper important. Les deux produits suivants ne sont pas dispo en France et sont excessivement difficiles à se procurer. Je vous en parle quand même parce que pareil, ils sont incroyablement efficaces. Et si par cas vous allez aux États-Unis ou vous connaissez quelqu'un, n'oubliez pas, c'est par Chipito, ça fonctionne toujours. Alors celui-ci, celui que j'utilise depuis bien plus longtemps. J'en ai jamais trop parlé parce que bah pareil, difficile de se procurer, c'est pas très cher. Moi j'avais trouvé chez Ulta, j'avais pris sur Chipito il y a plus d'un an, et en fait c'est un gel anti-cicatrice parce que ça a des vraies vertus cicatrisantes comme son nom l'indique, et c'est un produit qu'on peut utiliser avant de se maquiller, donc vous pouvez l'utiliser en journée aussi, vous pouvez l'utiliser le soir, localement, bref il est assez top. C'est une copine qui m'en avait parlé, qui vit là-bas et qui m'avait dit qu'il utilisait ça, et du coup bah voilà, bouche à oreille comme ça. Et le dernier que j'ai acheté plus récemment, et je vous avais promis que je vous en reparlerai si ça fonctionnait, donc bah c'est le cas, c'est de chez Murad. Donc Murad vous pouvez trouver sur Filuni, sauf que ce produit n'est pas dispo en France, voilà. D'après ce que j'ai compris, il n'est pas commercialisé en France à cause de sa formulation qui ne répond pas aux normes françaises, si j'ai bien compris. Mais du coup moi j'utilise bah, tous les soirs après
ma lotion Olen Ericsson. C'est ce combo là, il fonctionne méga 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 bien. Il en faut tellement peu, enfin je sais pas si vous vous rendez compte du peu que j'ai utilisé. Vous le massez sur les taches et pareil, ça permet vraiment d'estomper progressivement et de façon très efficace encore une fois. Donc voilà, je me répète à chaque fois, mais c'est clairement un produit, si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, vous serez pas déçus. Donc, je suis bien consciente que je vous donne un maximum d'alternatives et de produits et qu'il y en a forcément qui vont dire mais qu'est-ce qu'elle préfère, qu'est-ce qu'elle nous conseille en vrai. Je dirais pas qu'il y ait particulièrement un seul produit à retenir de cette vidéo. Chacun fait son effet individuellement, mais c'est vrai qu'en collectif au final ça fonctionne encore mieux. Mais je dois bien avouer, si je devais faire un top 3 en première place, ce serait ces compléments alimentaires. Je ne vous en ai jamais officiellement parlé en vidéo, mais c'est clairement pas mon premier flacon, bien au contraire, j'avais fait une première cure, donc c'est la marque. Après quand j'ai dit, je me dis mais tu dis pas le début Elsa, tu t'emballes trop vite. On y vient. C'est la marque Hello Beauty qui est gérée donc par Tati Westbrook qui possède Tati Beauty. Elle avait commencé avec un premier flacon, puis elle avait sorti celui-ci peu après. J'avais pas testé le tout premier qui permettait de favoriser la croissance des cheveux, des ongles, il y avait une action sur la peau aussi, mais enfin dans la version au kiwi, les promesses c'est juste une peau claire, glowy, radieuse, qui favorise le collagène, qui minimise les ridules, les rides, trouve un teint clair, etc. Donc j'avais commencé un petit peu à tout hasard et franchement au bout d'un mois j'avais vu des résultats. Donc j'avais recommandé d'autres compléments et ça je vous parle de l'année dernière, j'avais fait une cure de 3 mois, c'était assez bluffant. Je me maudis de pas avoir gardé les photos parce que j'en avais fait avant, après et franchement c'était ouf. Et clairement grâce à ça que j'avais pu aussi bien m'en débarrasser. Le temps a passé, tout ça, tout ça. En début d'année ça a été l'hécatombe à nouveau, donc je me suis dit attends, tu vas te refaire une cure. Et donc là j'en suis à mon deuxième mois à nouveau. C'est les meilleurs compléments alimentaires que j'ai pu tester. J'ai eu l'occasion d'en tester plusieurs, mais jamais aucun n'a été aussi efficace et rapidement que ceux-là. Je les ai toujours très bien tolérés. C'est hyper hyper bluffant. Donc si vous voulez juste voir, bah, c'est des gélules hein, tout simplement, qui sont assez grosses. Je vous invite à aller voir sur son site. Il y a des photos avant après de plein de personnes qui sont bluffantes. Vous pouvez utiliser tous les produits de la terre, mais c'est aussi hyper important d'en prendre soin de l'intérieur. Ça va rejoindre l'autre conseil que je vous donnais juste après. Mais c'est là que les compléments alimentaires, c'est une action qui est non négligeable. Un autre produit que vous pouvez prendre, vous en avez toutes chez vous, ça coûte rien, c'est de l'eau. Vous allez me dire, mais tu te fous de nous? Pas du tout. Je fais partie de celles qui ne boivent pas, je sais. C'est mal, ça me cause beaucoup de problèmes dans ma vie, croyez-moi, je sais. Je m'approche de mes 30 ans, j'ai toujours pas compris la leçon, mais je m'améliore. Le fait est que je le sais, quand j'ai des problèmes de peau, je dis pas que c'est qu'à cause de ça, mais c'est aussi parce que je ne bois pas assez. Et on ne le dira jamais assez, l'eau c'est la vie. Pour tout un tas de raisons, pas juste pour les taches, l'acné, tout ça, pas du tout. Mais puisqu'on est dans une vidéo anti-taches, clairement, dites-vous que si comme moi, vous faites l'erreur, comme par le passé, de ne pas boire assez, c'est pas quelque chose qui va vous aider pour retrouver un teint clair et en bonne santé. Parce qu'encore une fois, vous pouvez utiliser toutes les crèmes du monde, ça passe par l'intérieur. Avant tout. Avant de terminer cette vidéo, j'ai encore 2-3 petites choses que je veux vous montrer et vous parler vite fait, même si on a abordé plus ou moins le plus gros. Je voulais aussi vous conseiller les gommages, d'en faire un une fois par semaine, ni plus ni moins. L'intérêt, c'est pas d'en faire à outrance, pas du tout, loin de là, mais juste d'avoir une certaine récurrence parce que je trouve qu'on le néglige bien trop souvent et franchement un bon gommage une fois par semaine c'est hyper important parce que ça va permettre de favoriser le renouvellement cellulaire, d'éliminer toutes les petites peaux mortes, de retrouver un teint plus clair au fur et à mesure des utilisations. C'est pas quelque chose sur lequel vous allez voir une différence drastique en un claquement de doigts, pas du tout, mais c'est vraiment quelque chose à intégrer dans sa routine. Vous en avez des millions sur le marché, franchement ça dépend de votre budget, ce que vous recherchez, les grains que vous recherchez. Je vous en montre deux que j'aime beaucoup, mais encore une fois, faites comme vous. Pareil, je vous en ai parlé dans mes favoris, c'est le YoGlow de Wishful que j'aime beaucoup, beaucoup. Et pour tout vous dire, c'est depuis que j'ai testé que je me suis rendu compte à quel point un gommage pouvait faire une différence folle sur sa routine, du moment qu'on s'y tient. C'est clairement un gommage qui est fantastique pour lisser, repulper, redonner un coup d'éclat. Et juste, on a l'impression que ça enlève, vous savez, toute la couche morte de votre peau qui est invisible à l'œil nu, mais qui est bien présent. Et avant et après l'utilisation, tu vois la différence. Et je précise, il est excessivement doux. C'est pour ça que je voulais vous parler aussi du Dermalogica. Donc là, c'est un exfoliant en poudre. Là, c'est un tout petit baby. Il existe en full size, bien entendu. C'est un exfoliant que j'utilise depuis des années, quasiment le début de ma chaîne. Testé, approuvé, plus plus. Il vous dure une éternité parce qu'il en faut très très peu. Franchement, moi, je le compare énormément au Wishful. Je trouve que les résultats, l'efficacité, on a un résultat très similaire. Je dirais que le Dermalogica a une action sur les pores dans le sens où il va vraiment resserrer. C'est
hyper bluffant. Si vous luttez contre les pores du latté, je vous conseille véritablement celui-ci. Alors que le Wishful donne vraiment du glow à la peau et va vraiment booster ce côté-là. Mais franchement, les deux sont top. Et voilà ma team chouchou. Une vidéo que je voulais faire depuis si longtemps. Bah, je vous dis, c'est ma problématique numéro 1. J'ai testé tellement de produits. J'ai maintenant un certain recul pour vous dire ça fonctionne, ça fonctionne pas. Laissez tomber. Encore une fois, ça fonctionne sur moi. J'espère que ça fonctionnera sur vous aussi. Bah, c'est vrai qu'il y a plusieurs années, j'avais fait l'erreur d'incorporer un produit anti-tache dans ma routine, mais vraiment juste un, pas plus, en pensant que ça allait faire des miracles. Pas du tout. Encore une fois, peut-être que ça fonctionne chez certaines personnes. Moi, c'est pas le cas. J'ai besoin d'avoir plusieurs produits ciblés pour cette problématique et voir une vraie différence. Là, par exemple, un dont je peux pas me passer en ce moment, c'est les compléments alimentaires. C'est pas un produit physique à utiliser, une crème, une lotion, pas du tout. Mais c'est celui qui fonctionne le plus, le mieux. Vous avez compris. Donc, en utilisant des produits ciblés comme cela, ça ne peut que décupler les effets, ça ne peut que les maximiser. Pareil pour le sérum, c'est une fervente utilisatrice de sérum, je ne peux pas ne pas en utiliser. Évidemment, truc en plus pas négligeable, le Derma Roller, je vous dis, je suis hyper contente, j'ai vraiment enfin trouvé mon équilibre. Des produits qui fonctionnent, je sais à quel moment les utiliser, comment les utiliser, et c'est le plus dur au final. Parce qu'il y a tellement de produits maintenant sur le marché qu'on sait vraiment plus où donner de la tête. Vous inquiétez pas, je suis comme vous. C'est ce que j'ai essayé de faire dans cette vidéo, vous donner en tout cas les meilleurs conseils, les meilleurs outils basés sur mon expérience, donc j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez retenu, s'il y a des choses que vous allez essayer, des recommandations aussi, parce qu'il y en a tellement qui, comme moi, sont dans la même galère, donc n'hésitez pas à donner vraiment vos petites astuces, vous entraider, ça en aidera plus d'une, soyez-en certaines. Je vais vous laisser pour aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je suis désolée pour la longueur, mais c'est un sujet qui me passionne, donc force plein de choses à dire. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et de vos proches, et je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Bye.